Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Geek Tech. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit que j'ai reçu et que j'ai partagé sur Instagram récemment pour vous dire voilà que une nouvelle vidéo sera présente sur YouTube. Donc c'est par rapport au nouveau produit qui est le DR03. Donc restez pour vérifier la suite de la vidéo et voir également par rapport à l'installation. Pour la majorité des conducteurs, l'OKEY DR03 serait ma première recommandation en matière de caméra de tableau de bord. Elle offre pratiquement tout ce qu'on peut attendre d'une caméra de tableau de bord, avec un large champ, une vidéo Full HD et un grand écran, et surtout une interface intuitive, malgré qu'il ne dispose pas d'un réseau Wi-Fi. Cependant, malgré le fait qu'il ne dispose pas de réseau Wi-Fi, elle permet avec la carte mémoire de pouvoir compenser cela, puisque avec vous aurez une meilleure qualité au niveau du fonctionnement des services. Également, la caméra OKEY DR03 permet d'avoir un champ qui est énorme et ce qui est très large, ainsi que 170 degrés derrière. Non, je dis une bêtise, 160 degrés à l'arrière et 170 degrés devant, ce qui permet dans tous les cas d'avoir une vision très large par rapport à l'enregistrement au niveau de la voiture. Donc ça englobe un petit peu le champ complet que vous pouvez avoir au niveau du devant et de derrière également. Elle dispose également d'un capteur G-Sensor qui permet de pouvoir enregistrer ou bloquer une partie de l'enregistrement sur la carte mémoire dans le cas où il y a un accident ou un choc, ce qui permet de pouvoir revisionner en fait tout simplement la partie où vous avez en fait eu ce choc en question. Ça peut être utile dans le cas où il y a effectivement un accident et qu'on ne sait pas qui est fautif et qu'une personne voilà, va dire que ce n'est pas sa faute. Donc ça peut en fait permettre d'avoir des preuves, ce qui est génial. Sachez également que vous pouvez également effectuer un enregistrement direct en urgence pour pouvoir le sauvegarder dans le cas surtout où vous avez par exemple un beau paysage que vous souhaitez effectivement enregistré, donc c'est une bonne chose, ça permet de sauvegarder directement la vidéo sans avoir bien sûr à percuter quelqu'un, voilà, donc pour pouvoir avoir ce genre de blocage effectivement et mémoriser cette partie ou cette séquence de vidéo. Donc sans plus tarder, on commence l'installation du produit. Mais avant toute chose et avant de commencer l'installation, jetons un coup d'œil à la boîte qu'on reçoit directement de chez OKEY. Donc voici la boîte, elle est très simple, assez sobre, donc d'où l'habitude de OKEY par rapport à ses produits, avec bien sûr la mention de l'article qu'on prend directement. Du moment qu'on ouvre la boîte, on constate qu'on a trois choses directement. Donc la première chose est la caméra de devant, qui bien évidemment a deux entrées pour alimenter et alimenter la caméra de derrière, la partie micro SD, l'emplacement du GPS si vous souhaitez l'utiliser par la suite, et bien évidemment les boutons de navigation, ainsi qu'un petit bouton reset qui est un petit peu caché. Vous avez également la caméra de derrière, comme vous remarquez elle est assez petite. On a l'adaptateur USB allume-cigare avec deux ports USB dessus, et on retire la mousse et le cache pour découvrir le reste des produits. On a cet outil qui permet de retirer les caches afin de mettre les câbles, les adaptateurs pour bien sûr accorder les dashcams ainsi qu'une ventouse, des petits attaches pour bien mettre les raccordements, un câble qui fait 7 mètres pour la caméra de derrière et un câble de 3 mètres pour la caméra de devant, ainsi que des caches pour bien sûr coller la caméra de derrière et un guide d'utilisation. Donc voici en global les produits que vous recevez dans la boîte. Une petite boîte avec beaucoup de choses dessus qui peut bien sûr être utile tout autant pour l'installation de la Dual Dashcam de OKEY, la DR03. Alors, on commence par le déballage pour l'installation du produit. J'ai retiré le micro pour pouvoir être plus à l'aise au niveau du déplacement. J'espère que le son va être très très bien. Donc, on commence. Donc, la caméra. Donc,
carte mémoire, bien évidemment, à ne pas oublier pour effectuer des enregistrements. La première chose que je vais faire, c'est que je vais effectuer l'installation des câbles. Ok, désolé, mais je pense que je ne vais pas utiliser cela pour alimenter la dashcam. Je vous explique par la suite comment ça va fonctionner. On commence par le premier câble. Non, celui-là, c'est pour l'arrière. Donc, on laisse celui-là de côté. On prend celui-là. Je pense que celui de devant fait 3 mètres de long et celui de derrière 7 mètres pour pouvoir bien sûr arriver jusqu'à l'arrière de la voiture. Donc on va devoir utiliser, je pense que ça s'appelle un pied de biche, normalement c'est ce qu'on appelle pour retirer les clous ou voilà, forcer les serrures, les cadenas. Parce que je vais juste un petit peu regarder. Le guide, parce que des fois je sais même pas pourquoi je vais regarder le guide. Système, schéma. Donc il y a le français, ce qui est bien. Donc, on commence à voir, c'est bien. Commence à pousser le câble à l'intérieur. Donc je retire ça parce que on va devoir effectuer une installation plus complexe. Donc on a commencé par ce point et on a longé tout le bord, puis ça descend. Et ce qui m'intéresse, c'est là. Donc, là j'ai effectué une installation plus particulière. Donc si vous voyez là-bas, c'est en fait un petit boîtier qui permet deux sorties USB et qui permettra d'alimenter la dashcam. Plus si vous souhaitez effectuer une installation d'un GPS, eh bien ça reste un peu esthétique et vous n'avez pas besoin que ce soit en fait raccordé sur l'allume cigare, et ce qui est un petit peu encombrant. Donc je continue l'installation. Donc voilà, le raccordement, il est fait. Je vais ranger le câble en question puisque il est assez long et ça sert plus à rien d'être de l'avoir un peu partout. Voilà, donc les câbles sont rangés. Je peux fermer le cache où il y a les fusibles. Remettre ça jusque là et je commence par le deuxième câble. Et donc on reprend le deuxième câble que je vais installer à l'arrière jusqu'au devant. Donc je ne sais pas si ça va être bien et on va vérifier cela. Donc le câble est assez lent, donc 7 mètres ça fait, je pense que ça fait beaucoup, mais vaut mieux qu'il soit lent qu'il soit court. Donc le deuxième câble également
va être plus ou moins voilà de la même taille. On va enfoncer également avec le pied de biche. Cette étape, donc j'espère que vous allez tout voir, j'ai pas envie de tout recommencer. L'installation est terminée, plus qu'à installer à présent les dashcams. On croise surtout les doigts que ça va pas sauter. Donc la dashcam dans la partie LK, tout simplement. Voilà. Retirer voilà les protections.
suite à un petit bug d'enregistrement, donc je me permets de vous remettre l'installation finale de la dashcam DR03 de Hockey. Donc voilà l'installation, il est bien réussi. Donc comme vous remarquez, la dashcam de devant est bien installée avec les deux câbles qui remontent et qui longent la toiture pour descendre pour le premier câble vers le fusible. Puis ça longe tout le bord de la voiture, donc vous voyez c'est assez propre. On voit plus de câbles, on voit bien que c'est bien installé et qui va vers bien sûr la caméra de derrière qui permet également l'enregistrement au niveau de l'arrière de la voiture. Donc voilà l'installation finale, on voit bien que c'est correct et je suis satisfait du résultat, donc surtout que je l'ai fait personnellement comme vous remarquez. Alors, du moment que vous allumez la première fois la dashcam de Hockey DR03, vous aurez automatiquement un message qui vous invitera tout simplement d'éviter de se focaliser sur l'écran pour éviter bien sûr d'avoir des accidents par la suite. Dès que c'est fait, vous aurez automatiquement l'écran qui va enregistrer la caméra de devant, que vous bien sûr pouvez modifier via le menu de navigation et surtout via le bouton qui est tout à droite, qui vous permet d'ailleurs de regarder soit devant, soit à l'arrière, soit éteindre l'écran complètement, soit le mode PIP où vous avez la partie derrière en petit et la partie devant en grand. Vous avez ce bouton qui vous permet, comme je disais tout à l'heure, d'enregistrer ou de faire un enregistrement bloqué pour éviter qu'il soit supprimé. Donc c'est une démarche manuelle au lieu d'avoir bien évidemment un accident dans le cas où vous souhaitez enregistrer quelque chose de particulier. Vous avez bien sûr celui-là qui vous permet de pouvoir regarder vos vidéos ou vos photos que vous avez enregistrées au niveau de la dashcam. Voilà, donc remarquez, voilà les vidéos que vous pouvez bien sûr regarder également depuis également votre ordinateur par exemple si vous retirez la carte mémoire. Et vous avez bien sûr les réglages qui sont ici. Donc c'est tout simple, vous avez la résolution de la caméra. Vous avez le mode d'affichage, si vous voulez voir, que ce soit en double, en frontal ou en arrière. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser via le bouton directement. Vous avez l'enregistrement continu avec la durée, combien vous souhaitez. Est-ce que c'est 10 minutes, 5 ou 3. Donc, ce sont les parties de la vidéo en question qui seront divisées par la suite. Vous avez bien évidemment la date et l'heure, le fuseau horaire. Marquez la date, autrement dit, si vous souhaitez que la date soit affichée sur l'enregistrement ou pas. Acoustic record, autrement dit, est-ce que vous souhaitez que le son soit enregistré également ou pas. Le bip sonore, donc ce qui est par rapport aux touches, si ça bip ou pas. L'exposition, comme n'importe quel appareil, si vous souhaitez que ce soit plus clair ou voilà, plus sombre. La fréquence, 50 ou 60 Hz. Unité de vitesse dans le cas où vous utilisez un GPS au niveau de la dashcam, puisque vous pouvez effectivement le mettre et bien évidemment ça vous permet tout simplement de mesurer votre vitesse de conduite. L'accéléromètre, la langue bien évidemment, la sauvegarde de l'écran, donc combien de minutes vous souhaitez que ça soit fait, est-ce que ça soit éteint après 3 minutes, 1 minute ou non. La détection du mouvement, ce qui est bien, ça permet de détecter s'il y a des gens devant, et il y aura bien évidemment un petit symbole de petit bonhomme qui sera sur le coin, comme quoi c'est bien activé. Et si vous souhaitez que la LED soit allumée ou pas, comme quoi ça enregistre. Les intervalles, honnêtement j'ignore par rapport à ça. Le format, autrement dit si vous voulez formater la carte mémoire. Et bien sûr, combien de temps vous souhaitez que ça soit renouvelé au niveau de l'enregistrement, est-ce que vous souhaitez 15 jours, 30 jours ou 60 jours. Puis vous avez bien sûr la possibilité de remettre les paramètres par défaut et bien évidemment la version qui est la DR03 comme on l'a dit, avec la version du firmware qui est dessus. Donc voilà tout au niveau de l'interface qui est assez simple, hein, ce n'est pas très compliqué. Donc on voit le petit bonhomme ici, on voit comme quoi ça clignote au niveau de l'enregistrement et on voit bien que le micro est bien activé, sinon il serait barré si je l'ai désactivé. Et donc en dernier lieu, je vous ferai un test nuit et jour par rapport
à la dashcam pendant la conduite. Bon, et bien voilà ce que ça donne le fait d'enregistrer pendant la journée. Je pense que vous remarquez que la qualité elle est assez correcte. Même au niveau du son, je vais laisser le son qui va être enregistré directement avec la vidéo, autrement dit depuis la dashcam de Hockey DR03. Donc vous remarquerez que même le son il est assez bon. Si jamais si un jour voilà, vous souhaitez effectivement écoutez l'enregistrement, ben, vous ne serez pas déçu puisque voilà, donc la qualité elle est assez correcte. On voit bien qu'il n'y a pas de problème voilà, de qualité, que ce soit audio ou sonore. Je pense avoir dit la même chose, donc audio sonore ça fait, c'est la même chose. Alors je veux dire vidéo et audio, donc voilà. C'était un petit échantillon de la partie jour, donc on va vérifier bien sûr également pendant la nuit, et personnellement j'ai déjà vérifié un peu ce que ça donnait, donc c'est pas dégueulasse, donc on va vérifier cela dans quelques instants. Allez. Et voilà ce que ça donne en fait au niveau de la nuit. Je pense que vous remarquez que la qualité elle est assez correcte également, donc on peut bien distinguer tout ce qui est détail de l'entourage, donc sans aucun problème. Donc voilà tout, j'espère que ça vous donne un aperçu de ce qui en est au niveau de la qualité, que ce soit pour le matin ou le soir. Donc voilà tout au niveau du test du jour et de nuit. Et voilà, on est en bout de ligne, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu toutes les informations nécessaires par rapport à la dashcam DR03 que je viens de présenter aujourd'hui. N'hésitez surtout pas de mentionner si vous avez des questions en bas au niveau du commentaire. Donc n'importe quelle question sera la bienvenue et je répondrai du moment que je peux. Si j'ai bien sûr la réponse, dans le cas contraire, je poserai la question directement au service OK, donc qui va pouvoir bien sûr répondre volontairement. Et donc pour résumer, cette dashcam est une dashcam qui est parfaite, hein, puisque voilà, elle est équipée de la Full HD, donc une caméra devant derrière entre 160 et 170 degrés. Malheureusement, rien n'est parfait dans la vie, donc sauf si on paie un prix très très fort. Elle n'est pas équipée de la Wi-Fi, non plus de la reconnaissance vocale. Donc surtout, n'hésitez surtout pas de regarder le lien du produit dans la description. Sachez que Hockey a mis en place un lien pour vous en tant que spectateur et en tant que youtubeur pour avoir bien sûr une réduction sur le produit. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.